Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je voulais que cette vidéo soit aussi un petit souvenir pour moi de ma première année à l'école à la maison, car demain j'ai mon dernier examen et je vais avoir les vacances en mai, donc je suis vraiment extrêmement contente et je voulais vous faire une petite vidéo comment je me prépare justement avec les examens. Je voulais faire cette vidéo déjà il y a un mois où je faisais l'examen de chimie, ce mois-ci je fais biologie. Mais je me suis dit non, je vais attendre le dernier examen, comme ça, ça va être un moment mémorable. Posez là, comme ça, je vais pouvoir vous expliquer en vite fait. Alors déjà, pour ceux qui ne savent toujours pas, je suis à l'école à la maison. Là, c'est ma première année de l'école à la maison et pour chaque matière, j'ai un examen écrit et oral. Et donc, comme je vous ai dit, demain, c'est mon dernier examen. Je suis tellement contente. De base, je voulais finir mon année scolaire en avril. Là, nous sommes en mai, bientôt en juin. Mais tout le mois de février, j'étais malade, etc. Il y avait encore des petites vacances de 2 semaines, etc. C'était gênant. Je vais vous montrer mes préparations, qu'est-ce que je révise. Donc, pour être honnête, pour chaque matière, du coup, on a des sujets, ce qu'on doit connaître, une espèce de liste de sujets. Et j'ai fait ces sujets. Du coup, j'ai terminé il y a 2 semaines et la semaine dernière, parce qu'on est lundi, toute la semaine dernière, j'ai rien révisé. Non, mais rien. Donc pour le coup, en soi, on m'a enlevé 2 grains de beauté, donc c'était une espèce d'opération. Non, c'est pas une excuse parce que l'opération a été jeudi et je pouvais réviser toute la semaine dernière, mais je l'ai pas fait. Donc un peu triste, un peu nul, enfin voilà, je sais pas comment je vais écrire cet examen. C'est deuxième chose, alors ça va être la même prof que pour mon examen de chimie. Pour mon examen de chimie, j'ai eu un 3. Ici en Pologne, il y a des notes de 1 à 6. Du coup, 6, c'est vraiment parfait, tu vois, sans faute. Les 6, il n'y a pas tous les profs qui donnent ce genre de des notes comme ça. Ensuite, il y a les 5 qui est très bien, 4 bien, 3, je sais pas comment dire, mais c'est un peu, on va dire ok. Et 2, c'est la note minimum, parce que si t'as un 1, bah tu passes pas l'examen. Et donc j'ai eu un 3, donc en soi, ça va. Parce que pour moi, le 3, c'est la note minimum, parce que le 2, je pense que je serais un peu déçue, mais le 3, ça va. La prof, elle nous a donné du coup les sujets qu'il fallait connaître pour la chimie. Et lors de l'examen, j'étais un peu choquée, surtout l'examen oral, il n'y avait pas du tout ça dans les sujets. Et justement, beaucoup de gens ont été un peu bouleversés parce qu'il y avait vraiment des sujets que de base, il n'y avait pas dans la liste des sujets qu'on devait connaître. Donc je m'inquiète un peu, est-ce qu'il y aura vraiment sur l'examen les sujets de biologie que je fais là, parce que c'est du coup, c'est la même prof et je ne sais pas, est-ce qu'elle va encore changer quelque chose ou... Avant de commencer, les révisions, bien sûr. Intro. D'ailleurs, regardez, ici j'ai noté intro, production, gogo, donc moi, directeur, moi, j'ai écrit, caméra, bah ici vous avez ma caméra, une Sony DCHX99, et ici la date, j'ai mis 2023, scène, j'ai mis YouTube, et take, je pense que c'est reprise, donc j'ai mis take 1, juste une seule reprise, parce que moi, il n'y a pas de reprise, je filme pas 2 fois la même vidéo. Ici on est vrai, sans filtre, au naturel, bref, intro. Les amis, je suis trop contente. J'étais en train de... J'arrive pas à parler. J'étais en train de marcher comme ça dans ma chambre. Je me demandais pas pourquoi, juste je marchais parce que je m'ennuyais. Et j'attendais que la caméra se charge. Et du coup, voilà mon petit jardin. Enfin, des petites plantes et tout. Et là, en fait, hier, enfin le week-end dernier, on était au camping. Et il n'y avait pas ça. J'avais mis des petits grains, mais il n'y avait rien, tu vois. Enfin, des petites graines. Et là, il y a... Oh, trop bien, heureusement que j'ai arrosé avant de partir. Oh, je suis trop contente. Ça va être des fleurs normalement. Mais regardez, c'est pas beau. Pour le coup, je sais pas si ça va survivre, mais voilà. Mais là, je suis trop contente vraiment. Pour la biologie, j'avais des trucs sur le corps humain, ce qui est plutôt intéressant pour moi. En tout cas, je préfère ça que des trucs sur la nature. Enfin, ça m'intéressait plus parce que du coup, je suis un humain. Du 28, parce que c'était mon premier jour où je faisais la biologie, je faisais des petites notes, enfin vraiment, en vrai j'aime bien. Du coup je voulais mettre vraiment pas trop de couleurs, plutôt des petits dessins comme ça. À la fin j'ai quand même rajouté un peu de couleurs, disons là je faisais des petits dessins, la colonne vertébrale, etc. Des muscles, des vitamines, le sang, tout ça c'est en polonais, hein. Oh, le cœur, en vrai je suis fière de ce dessin, franchement j'aime bien.
Vous pouvez m'écrire dans les commentaires comment vous, vous faites vos notes. Est-ce que vous faites des dessins ou vous en faites pas peut-être? Ou vous faites plutôt des fiches de révision que des notes? Enfin voilà, des trucs comme ça. Et donc, je pense que, parce que du coup, on est 9h, j'ai environ 1h30 pour réviser. Ensuite, je vais encore réviser le soir parce que après-midi, l'après-midi, je vais avoir des petits trucs à faire sympas. Enfin, vous allez voir. Et donc, je pense que je vais relire un peu mes notes, etc. Mais après, je vais faire des exercices parce que ça, c'est super important de faire des exercices, de s'exercer. Et là, ça, je faisais pas trop. Je faisais plutôt juste les notes. Ensuite, je les lisais et je faisais pas beaucoup d'exercices. En soi, les seuls exercices, c'était justement l'examen. Enfin, ça, c'était pas le vrai examen, mais c'était l'espèce, ce que la prof nous a donné. Ok les amis, maintenant je vais me changer parce qu'avec ma sœur on va quelque part et vous allez voir dans la vidéo. On va arriver à les 3 mousquetaires d'Artagnan et le meilleur c'est que c'est en français. Mais au cinéma. Qui s'attendait qu'en Pologne, il y aurait un film en français au cinéma? Oceniony pod kątem składu i skuteczności. Biorę ciemno. Najlepsza jakość w rozsądnej cenie. Les amis, je me suis fait un masque parce que du coup on est le prochain jour et aujourd'hui à 12h c'est mon examen, donc j'ai hâte. En vrai je me sens pas à 100% prête, enfin d'un côté je me sens prête, j'ai hâte parce que du coup c'est mon dernier examen, je vais commencer mes vacances, mais j'ai peur qu'il y aura des trucs que j'ai pas du tout révisé ni rien, donc voilà. Et donc je me suis fait un masque qui après le temps ça fait une espèce de mousse, donc voilà, je sais que je ressemble à un... En vrai je ressemble à quoi? Un cochon un peu, avec ce masque. Et donc là j'ai mis un peignoir comme ça, je salis pas ma robe parce que j'ai mis une robe. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà. Et voilà les petites plantes. Dans ma caméra c'est encore pire, on peut dire que ma tête est périmée. Vous voyez les fruits quand ils sont périmés, une espèce de mousse blanche se crée dessus. Et ici le fruit périmé et ici ma tête. Ça ressemble carrément à ça. Oh, écoutez le bruit, c'est trop bien. Normal que j'ai hâte pour un examen. En fait, j'ai pas hâte pour l'examen, mais pour le moment après l'examen, quand je vais commencer mes vacances. Encore aujourd'hui, je vais commencer mes vacances. En vrai, c'est un peu triste. Enfin, c'était pas si mal les cours. Enfin, apprendre. Non, après les vacances, c'est toujours sympa. Ok, j'ai encore une heure et je vais aller du coup en bus là-bas à l'école pour écrire mon examen. Et à 17h, je vais aller au cinéma encore parce que hier j'ai déjà été, mais aujourd'hui pour un autre film, La Petite Sirène, un truc comme ça. Et donc pour le film de hier, je vous avais filmé un truc de 2 secondes quand on était au cinéma avec ma soeur. C'était Les 3 Mousquetaires en français.
Parce que il n'y avait pas la version en polonais, donc il y avait juste les sous-titres en polonais, mais nous on regardait pas. Et c'était tellement bien de voir un film en français au cinéma en Pologne. Je vais pas vous dire c'était quoi la fin, mais j'ai hâte de voir la deuxième partie. Mais en fait, il y aura une deuxième partie, ça c'est sûr, parce que ma soeur a vérifié. Apparemment le 13 décembre, un truc comme ça en France. Donc, du coup, je sais pas si ça sera en même temps en Pologne. Au pire, je vais aller en France. Non, non, je vais pas y aller. C'est sûr. Après, on ne sait jamais, mais j'aimerais bien. J'aimerais aller en France et en Belgique au moins deux fois par an. Ça serait incroyable. Enfin, deux fois en France et deux fois en Belgique, donc quatre voyages en tout. Ça fait beaucoup là, non? Au revoir. Coucou, alors ici Gogo du montage. Maintenant, j'attendais mon examen. Et par la suite, j'avais fini mon examen écrit et j'attendais l'examen oral. Et j'ai vu qu'il y avait une machine à café, donc j'ai décidé de me faire un petit chocolat chaud. Vas-y, il y a une machine à café, je vais aller m'en faire un. J'ai fini l'examen écrit. En rentrant, je me suis acheté une petite glace. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait une petite pause, j'ai bien mangé et quelques heures plus tard, je suis allée encore une fois en bus au cinéma pour se voir avec une copine pour voir justement La Petite Sirène. Et maintenant, on va aller voir La Petite Sirène. Ok, alors déjà, j'ai eu un 5 de mon examen. Donc ça, je suis trop contente et je m'attendais pas du tout. Enfin, je vais vous expliquer tout à la maison. Mais du coup, maintenant, je vais au cinéma avec une amie. Donc, je fais encore une fois en bus. Et voilà, mon bus est dans 5 minutes. Je fais genre, je filme un vocal parce qu'il y a des gens qui me regardaient. Donc, je suis un peu gênée. Par contre, le soleil, il est très beau, regardez. Bon, bah les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolée pour ma voix, mais là, je fais le montage à 2h du matin, vraiment. Vous voyez comment je me consacre pour YouTube? Non mais sérieusement. Bref, j'ai envie d'aller dormir. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis bonne journée à vous, bonne soirée et enfin bisous.